Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans un setup exceptionnel. Je parle pas du niveau du setup, mais plutôt de la rareté de ce setup. Je suis en compagnie de deux... On dirait que tu dors. En compagnie de deux êtres formidables. Formidable. Le principe, il va être simple. On va faire une tier list de joueurs de football. Si on arrive à tous à se mettre d'accord, on place le joueur tout simplement. Si on n'est pas d'accord, on s'affronte sur un duel de frappe. Igor, c'est maintenant qu'il faut l'annoncer. Je suis trop nul. Voilà, on va y aller avec des pincettes. Trop mauvais. Du coup, dès qu'il y en a un de nous deux qui est pas d'accord avec toi, t'envoies l'autre faire la frappe à ta place. Ok, ouais, ça me va. Ça te va? Ouais, je suis chaud. Si à un moment t'as envie de frapper, tu dis vas-y. J'ai envie d'en découdre. Si vraiment t'as envie de découdre. Je sens que je dois défendre mes idéaux, quoi. Après, en converse. Bon, il est en converse, c'est vrai. Juste une question, en termes de critères. Par exemple, là, les joueurs qu'on voit, est-ce qu'on prend leur prime, on prend quand ils sont à l'heure actuelle? On prend tout en conséquence. Notre amour pour ce joueur. Son palmarès, sa forme du moment, voilà, et ça fait une moyenne en gros. Ok, ça me va. Le Kun Agüero. Alors, meilleur du moment, marquant l'histoire, top du moment, fort, assez fort, bon niveau, pas ouf, nul. Je dirais pas, en fait, le truc c'est que moi perso, je dirais pas forcément marquant l'histoire parce que le seul palmarès de sa carrière c'est le but qu'il a mis à City. Agüero. Moi, je le mettrais dans fort. Ouais, fort. Parce qu'en plus, en ce moment, il joue pas, donc il joue moins en ce moment, donc je mettrai fort. Il a rien gagné à part la. Agüero. Donc Agüero, fort, le premier. Mais crack quand même. Oui, c'est quand même un crack, c'est quand même un très bon joueur de foot. On enchaîne avec Alisson, très bon gardien de Liverpool. Palmarès Ligue des Champions. Moi, je pense top du moment, je serais chaud. Hein. Il est trop fort. Après, il a été blessé, je crois, pendant un temps. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Ouais. Il fait partie du top 5, même top 3. Donc, on est d'accord pour dire top du moment pour Alisson. En fait, on va jamais frapper. En fait, il va pas y avoir de frappe dans la vidéo, ça va être très simple. Si, parce que je pense que le prochain, je vais m'amuser. Antoine Griezmann, est parti du Barça très, très récemment. Annuel. Je le déteste de toute mon âme. La France, quand même. En équipe de France, c'est quand même. Sexuel, hein, l'Euro 2016. Quand il disait, ouais, j'en vais à la table de missile, hein, et ce genre de truc, ça m'a rendu zinzin ma boule. À la rigueur, j'ai un bon cœur. Bon niveau ou pas ouf? Ouais, t'as vu, frère. Moi, je le mets fort, moi. J'ai envie de le mettre fort aussi. Bon niveau. Donc, on est sur un premier désaccord. Ouais, premier désaccord. Pour moi, c'est bon niveau. Le truc, c'est que là, on va devoir s'affronter alors qu'on est d'accord tous les deux. Faut que tu mises sur quelqu'un. Pour que t'aies raison, en gros. Pour que t'aies raison. Maintenant qu'il y a un désaccord, on va lancer la roue de la chance. Roue de la chance qui va décider ce qu'on fait comme style de frappe pour nous départager. C'est parti. Oh, oh mais si. Non. Oh. Pour rien dire parce que je sais pas lire. Hein. Reprise. Okay. Dès la première, reprise de volée. Pardon. On se met à table. T'as une excuse pour pas t'être préparé avant? Bah, beaucoup d'organisation, beaucoup d'installation et... T'es une merde. Voilà. Bon bah, c'est un raccourci aussi à prendre. C'est parti pour les reprises de volée. Reprise ou demi-volée, peu importe, du moment qu'on la prend une touche et qu'elle soit en l'air au départ, ce sera bon. C'est parti, je commence. Oh la vache. Oh, c'est plus une reprise de volée. Oh, elle a pété. C'est l'équipe. Oh, elle est pas mal. Elle est pas mal. Comme elle vient. Oh. Vas-y. Elle est bonne. J'ai oublié de le préciser, c'est que le lucarne. Donc là, faux espoir pour vous, elle compte pas du tout, c'est que le lucarne. Ah, Pékin. Ah oui, elle est dedans. Oh. Oh. Ah, Babylone. Oh non. Tu vas devoir aller. Ah, elle est trop belle, elle est trop belle. Oh, elle est logée. C'est cadré. Oh la cougnée maman. Oh non. Au pire, je suis d'accord si vous voulez. Hein. Non mais t'inquiète, on va régler ça maintenant. Allez, celle-là, les dents. Oh. Mais lui, il est trop me mettre des bâtons. Oh. Vas-y, non, mais au lieu de parler. Encore. Non mais attends, mais non, c'est pas ça. Non mais il est ouf, lui. Encore, il dit non mais. Il va pas la mettre. Vas-y. Ok. Ok. Il avait tiré, il est. Oh, oh non. Non. Elle était incroyable. Si, c'est bien. Oh là.
C'est honteux. Ah, à part si je la mets, t'auras pas besoin, mais... Oh, oh t'as pas besoin, t'as pas besoin. Après une heure. Après une Let's heure, go. Putain. Ça fait très longtemps qu'on est dessus, donc c'est pour ça que je célèbre. Griezmann, on a dit fort. Bah ouais, mais vraiment. Bravo, monsieur. La France est fière de vous. Beckham. Bah, marquant l'histoire direct. Ah, je mettrais pas marquant l'histoire. Moi, je mettrais marquant l'histoire, perso. Moi aussi. Ah ouais ? En fait, il manque. On rajoute une catégorie. Il manque quoi comme. Il manque un top joueur. Juste ça. Donc, Beckham, tu le mets dans le top joueur, toi ? Pour moi, Beckham, c'est top joueur. Ok. Ça pour moi, c'est pas marquant l'histoire. Moi, ça me va, perso. Ouais. Parce que t'as rajouté. Et il a pas gagné. Et il a pas gagné de Coupe du Monde. Et je crois qu'il a pas gagné de Ligue des Champions. Parce que moi, ensuite, on a Buffon. Buffon, meilleur joueur du monde. Bon. Ça, ah c'est... Mais frère, Buffon, c'est une légende, frère. Ouais, mais pour moi, oui, c'est, légende, pour moi ouais. C'est marquant l'histoire. Ouais, marquant l'histoire. Pour moi, c'est marquant l'histoire. Vous êtes dur, les frères. Et il a pas gagné de Champions League. Ah, frère, la Juve, il a fait du sale. Il a été champion, je sais pas combien de fois. Pour moi, c'est. Pour moi, c'est. Pour moi, c'est un, ça sera un Casillas ou un truc comme ça. En... Et je suis complètement d'accord avec. Du coup, on met Buffon en ouais. Marquant l'histoire. Okay, ouais. Ronaldo. Lequel? CR7. Ouais. Bah, meilleur ouais, du ouais, monde. Ouais, meilleur du monde. Ouais. En vrai, ouais, là, il ouais. Y a pas débat. C'est ça lui fait mal au cœur pour un Barcelonais, mais. De Rea. Alors, attends. Moi, je mets fort. Moi je mets assez fort, il se fait trouer ouais. Et il a une, fait, genre, il a une série où je crois il a pas arrêté de genre... C'est qu'il a été bon pendant un moment. Ouais, pour moi je mets fort, moi je mets très fort. Avec l'Espagne et tout, pendant la Coupe du Monde et tout, il leur a coûté ouais, il a fait, il a fait une période avec Manchester, il était injouable. Ouais ouais, mais le problème c'est que c'était pas assez long, tu vois. Non mais fort ça te va ou pas en vrai? Ouais, mais en vrai ça me va. Fort. Genre, pas plus. C'est pas non plus top joueur. Ouais, mais voilà. Mais fort. Je trouve que assez fort et fort, je trouve qu'il devrait ouais. Pas y avoir. Donc on enlève assez fort. Ouais. Allez. De Bruyne. Top du moment. De Bruyne. Top du moment. À mort. Pour moi, c'est le meilleur joueur de City. Et je pense, s'il n'y a pas ça là, c'est le meilleur joueur de Première Ligue. Je suis assez d'accord pour le mettre en top du moment. Et je pense que plus tard, ça va devenir... Top joueur, mais au-dessus. Top joueur en marquant l'histoire, ouais. Je pense, plus tard. Draxler, bon. Ouais. Pas ouf, hein. Pour moi, c'est bon niveau. Ouais, bon niveau, c'est... Pour moi, c'est bon niveau. Ouais, ok. Ouais, quoi que, frère, attends, c'est quoi? Je sais pas, je regarde pas, c'est Paris. Pas ouf, mec, moi, je dirais. Moi, je dirais pas ouf, hein. Ah moi je dis bon. Après pas ouf parce que forcément il est dans une équipe comme le Paris Saint-Germain où t'as Mbappé. Mais frère, quand il est arrivé à Paris, il a fait une première bonne saison de ouais, souvenir, tu vois. Ouais. Et après depuis, mec. Il veut plus jouer au foot, il veut juste la thune. Frère, ça fait 4 ans et. Moi je le mettrai en bon niveau ouais, Draxler. Allez, un petit crossbar, histoire qu'on. Balle en retrait. Balle en retrait. Okay. Bon. Et qui c'est qui est pas d'accord du coup c'est deux. Nous deux. Et toi aussi tu voulais le mettre en. Moi je le mets en nu, je suis avec Zé. Ah ouais donc je suis tout seul, ok. Bon. Encore une fois, c'est seulement les lucarnes. Balle en retrait, let's go. Bien ambitieux. Hop. Bon, ça allait assez vite. Vas-y, envoie-toi une, j'en fais une. En plus, justement, je dis, ah, vous êtes bien ambitieux. Ouais, non, c'est bon. Il a gagné. Eden Hazard. C'est lequel Hazard qu'on met? Ah, bah là, c'est le problème, c'est qu'il y a, c'est deux, toute y a deux, ex- y a deux extrémités quand on même. A dit, on a dit, c'est la, toute la carrière. C'est toute l'équipe. Fort, moi, pour moi, c'est fort parce qu'il y a un temps où gros, il était dans la conversation Ballon d'Or. Ah, Chelsea, il était trop fort. Ouais, ouais, c'est vrai que. Il était dans la conversation Ballon d'Or. Puis là, c'est l'inverse. Là, c'est très, très, très limite. Ouais, mais tu prends toute la. Même, tu vois, encore avec la Belgique, ça va ce qu'il fait, tu vois. Ouais. C'est vraiment avec le Real ça, où ça peut. Je suis d'accord pour le mettre fort. Je suis d'accord pour le mettre fort. Puis il y a des grosses fesses. Ouais, mais ça. C'est pas grave. Je t'ai pas dit ça dans les critères au départ. Cavani. Pour moi, c'est bon niveau. Moi, c'est fort. Non, pour moi, je le mets pas au même niveau que Agüero, que tout ça. Pour moi. Ouais, frère, t'abuses. Bah, en fait, c'est que moi, franchement, Cavani. C'est un tueur, en une touche, c'est que moi, Cavani, mec, je le mets pas au même niveau qu'un Agüero. Ouais, c'est ça le truc. Pour moi, Cavani, oui, c'est en dessous d'Agüero. Ah, pour moi aussi. Il est fort, certes. Mais... Il est fort. Pour moi, c'est bon niveau. C'est, bah, alors, on dit qu'il est fort. Oui, il est pas mauvais, mais il est pas au niveau d'Agüero. On n'a pas réussi à convaincre Dylan. Allez, ça va être crossbar. Crossbar challenge. Voilà, il a mis, c'est sûr. Pas loin, oh vraiment ah pas loin. Lucian ah, Lucian ah, j'y croyais. Très belle. Bien joué. Franchement, limpide. C'est bâclé. Cavani. Donc, Cavani, je le défendrai jusqu'à la mort. Ibra. Top joueur. Voilà, top joueur. Pour moi, c'est pas non plus marquant l'histoire, mais. Moi, si je m'écouterais moi-même, je le mettrais marquant l'histoire parce que oui. C'est un de mes joueurs préférés. Ouais, parce qu'il a pas dit. Ah, moi, je suis à ça de le mettre marquant l'histoire. Parce que, gros, meilleur joueur suédois de l'histoire. On se voit dessus. Suédois. Ouais. Il y a eu des joueurs quand même. Hein. Il y a Kim Kachrome. Kachrome.
Mais on est d'accord pour dire que c'est un top joueur, que c'est pas un top joueur. Top joueur. Malheureusement, il a rien gagné. De marquant. Ouais, la Coupe de la Ligue avec Paris. 2014. Johan Cruyff. Bon, on l'a pas trop vu. Je l'ai jamais vu, mais il a changé. C'est ce que m'a dit mon daron. C'est... Mes aïeux. C'est marquant l'histoire. Non c'est marquant l'histoire. Harry Kane. Harry Kane, c'est fort. C'est top du moment. Top du moment. Harry Kane, c'est top du moment. Ouais, je suis sérieux. Mais c'est un tueur à gage, le mec. Top du moment, mec. C'est un tueur à gage, Harry Kane. C'est plus que fort, mec. Alors pour moi, Harry Kane, c'est le même niveau que De Bruyne. Bon, après, c'est pas le même poste, c'est pas comparable, mais. Mais c'est trop fort. C'est un tueur à gage, Harry Kane. Bon, allez, la roue. La roulette. Là, par contre, Harry Kane, j'ai envie de le défendre. Parce que j'aime bien c'est les ton Spurs. Père ou quoi. Et moi, j'aime bien qu'à chaque fois que je défends un mec, c'est ton père ou quoi. Ballon retrait, épisode 2. C'est parti. Ta revanche. Est-ce que on se met pas un petit piquant, vu que ça a été vite la dernière fois? Mauvais pied. Hein? On se fait mauvais pied. Ou alors en une touche. Soit une touche, soit contre le mauvais pied. Voilà. Et on fait ça pendant 5 frappes. Ok. Parce que sinon, après, si ça dure 30 ans encore. Une touche au mauvais pied. Et bien sûr que ça sera une touche. Oh, les cacahuètes. Et une pastille devant, Zuna. Elle est belle. Il va la faire une touche. Oh. Non, c'est le mauvais pied là. Ah, c'est. Je me suis dit que t'étais droitier, mec. Je suis gaucher. Oh, pied gauche, une touche. Ah, décale-moi ça. Pah. Il est mort, là. T'as vu, comme moi. Il a pris une balle là. Ouah. Oh non, il va le faire. Attends, c'est la balle qui a frappé. T'as vu? Elle a vu. C'est toujours le oh non. C'est la balle qui a frappé. Mais ouais, je veux. Mais contrôle. Mais bon, Oh, je suis mort. À la couverture. Bon bah Harry Kane du coup top du moment. Bravo monsieur. On est fiers de vous. Mbappé. Melon. Top du moment. Top joueur. Top du moment. Coupe du monde mec. La Coupe du monde il a fait du sexe quand même. Vraiment c'était sale. Ouais. Et il a marqué en finale et tout tu vois. C'est pas comme si il était genre... Contre l'Argentine. Ah, c'est que du coup top joueur c'est au-dessus de top du moment pour vous? Bah large. Top joueur c'est dans... Ah bah oui il faut que tu changes du coup. Faut que j'échange du coup. Ouais je pense que Mbappé c'est top joueur. Mais... Ouais, pour moi c'est top joueur Mbappé. Il lui manque encore un truc pour être... La Ligue des Champions. Léo Messi. Bah pour moi c'est... Il y a pas de cases au-dessus de... Pour moi, c'est avec Ronaldo. C'est... Ah, bah, c'est... Pour moi, c'est au-dessus de Ronaldo, même. Donc pour moi aussi, normalement. Ah, après, c'est un débat. Non, c'est mais un débat. Ouais, je l'aime plus que. Je suis plus Team Messi que Ronaldo aussi, mais pour moi, ça se voit. Hugo Lloris, bon, là. Là, on va pas être d'accord. Là, va y avoir débat. Parce que pour moi, c'est fort. C'est... Il fait des dingueries. Hein. Il fait des arrêts de starbé, genre sur la ligne, mais des fois, il va te faire des dingueries. Ouais, mais c'est plus souvent qu'il fait des trucs de starbé que des dingueries, quand même. Quand même, la Coupe du Monde, grande partie grâce à lui aussi. Hein. Merci. Ouais, mais je crois avec Tottenham. Moi, Lloris, c'est dans mon cœur, pour moi, c'est le numéro 1. Mais objectivement, pour moi, c'est fort. C'est bien. Suarez, pour moi, c'est fort aussi, même s'il y a pour un moi, moment. Pour moi, c'est top joueur. Les... Ah ouais ah, et quand Suarez. Je déteste, c'est le joueur que je déteste le plus. Mais... Quand il était à Liverpool et quand il est arrivé au Barça, alors que, genre, il était suspendu 6 mois au Barça et que le mec, il finit meilleur buteur. Ouais, fait. Non, c'est vrai qu'il a eu une période où c'était quand même. Mec, quand incroyable. Même incroyable. Là, avec l'Atlético, on peut dire ce qu'on veut, le mec, il a été champion. Joueur, ça, ouais, je suis d'accord pour le mettre en top joueur. Mmh. Mané, Sadio Mané. Je dirais top du Je suis d'accord aussi. Mané, c'est quand même. Quelqu'un. Marquinhos. Ah, pour moi, c'est pas exceptionnel non plus, Marquinhos. Moi, c'est top du moment. Pour moi, j'hésite entre fort et top du moment. En plus, c'est un leader de dingue, tu vois. Oui, par contre, oui, c'est un vrai capitaine. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est l'un des meilleurs à son poste, top ouais, du moment. C'est ça. T'as vu les dernières saisons. Allez, top du moment. Maradona, ouais, pour moi, c'est... C'est marquant l'histoire, des vidéos que j'ai vues, frère. Bah, c'est comme... Je dirais presque meilleur ouais. du monde, mais... Parce que Maradona, j'ai un peu plus d'image en tête que Cruyff. Pour moi, c'est au même niveau que Ronaldo et Messi. Hein. Bah, j'ai jamais vu jouer, mais frère, tout ce qu'on a vu, toutes les images d'air, je pense qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui ne sait pas qui c'est Maradona. Ouais, pour moi, c'est meilleur du monde, ça fait partie. Mohamed Salah, top du moment ou top joueur? Non, top du moment. Top du moment? Top du moment. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas... Faut qu'il confirme. Exactement, bien vu. On est d'accord sur Momo Salah. Là c'est qui? Neuer? Attends, je vois pas. Ah, c'est Neuer, non? C'est Neuer, il y a le truc T-Mobile là-dessus. Mec, c'est Neuer. C'est Ulrich. C'est Neuer. C'est Ulrich. Neuer, bah c'est marquant l'histoire aussi, voire meilleur du monde.
Neymar. Pour moi, il est trop blessé pour le mettre vraiment tout en haut. Pour moi, c'est top joueur. Pour moi, c'est top joueur. Et je le vois au-dessus de Griezmann, Agüero et tout, mais pas. Mais il serait. Il peut être marquant l'histoire en, je sais pas, en étant plus régulier. Ou alors, faut qu'il gagne un truc avec le Brésil, quoi. Ouais. Mieux que. Ouais, que la Copa. Olivier Giroud, moi, je fais partie de la team qui le défend dans son rôle dans l'équipe de France. Parce que pour moi, il est très important, même si les gens parlent souvent de stade de but, etc. Pour moi, dans la Coupe du Monde 2018, il est trop important. Tu balances sur lui, contrôle, il bloque. Ouais, mais pour moi, il est bon niveau, mais pas au-dessus. Ah non, pour moi, bon niveau, ça se mérite. Mais c'est que je sais qu'il y en a qui regardent la vidéo et même d'autres qui auraient mis pas ouf ou nul. Non, mais pour moi, Giroud, c'est... Il juge sur les cartes FIFA. Oui, il juge sur les stades de but. De vitesse. On est d'accord pour mettre bon niveau, du coup, ouais, pour Giroud. Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'il a été très et important. Et puis même, regarde, même là avec le Milan, il rentre, il marque. Dybala, franchement... Trop blessé. Dybala, il fait pas de diff énorme quoi, avec la Juve. C'est ça. Pour moi, c'est fort. Ça va être au niveau de Draxler et Giroud. C'est quand même meilleur que Draxler et Giroud. Coutinho, pendant un temps c'était quand même très très fort. À Liverpool, Coutinho, ouais, c'est ça. Pour moi c'est quand c'était l'amour de ma vie à ce moment-là. Pour moi Coutinho c'est bon niveau. Hein. Je suis d'accord. Puis un mec qui est pas titulaire dans un grand club, c'est que tu peux pas le mettre à fort. Non, je suis d'accord. Agüero, Griezmann, tout ça c'est titulaire. Ça me va. Donc on met bon niveau. Bon niveau. Piqué. Je déteste donc je vais pas être objectif. Pour moi, c'est top joueur. Il a Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Coupe du Roi, les Ligas, frère, il a un des palmarès, c'est plus incroyable. À chaque fois, il est titulaire. Au bout d'un moment, frère, il était largement dans le top 2, top 3 des meilleurs défenseurs du monde. T'as oublié qu'il y avait Shakira aussi. Top joueur. Meilleur du monde. Rashford. C'est fort, ouais. Fort ou pas? Rashford. Ah ouais, c'est vraiment bon, ça va. Lewandowski. Voilà, Robert, c'est un crack. C'est top joueur. Le mec, il y a même pas des. On va pas perdre plus de temps sur lui. Firmino. C'est fort. Fort, je pense. C'est fort, mais là, ça fait un petit moment où ça pue du. Il y a un petit passage à vue. Mais pour moi, c'est fort. Il a pas été assez longtemps dans le mal pour le mettre en dessous. Ouais, ça me va. Sergio Ramos. Pas loin de marquant l'histoire. Peut-être marquant l'histoire aussi. Parce que quand je disais les arguments pour Piqué. Il a les mêmes, sauf qu'il a plus de Ligue des Champions. Ça fait combien de temps qu'il est au Real? Il a joué à l'époque où il y avait tous les cracks, Galactiques, hein. Et tout, tu vois. Ter Stegen, top du moment ou top joueur? Non, top du moment. Top du moment? Même pas, il est pas incroyable avec le Barça. Non, mais moi je le mettrais en fort en fait. Pour moi, je le mettrais en fort. Je le mettrais au même niveau que De Rea et Loris. Ouais. Et il a pris des 8 buts dans le corner. Ouais, mais vas-y frère, c'est des robots eux. Tout le monde aurait pris 8 buts, frère. Bon, enfin, bah, Laroux, toi tu veux le mettre en top du moment? Bah parce que frère, il a fait 2-3 saisons et il t'a un bon frère. La roue. Coup franc. Ah, on l'a pas fait, cool. Coup franc. First time, c'est parti. Que les lucarnes aussi? Que les lucarnes. You can really dance. Oh, c'était dommage. Oh, j'y croyais tellement. Un verre de lait en plus ce matin et c'était bon. Tu as joué au foot toi un peu, non? Je tire pied gauche. Oh, elle est belle. Elle est belle. Wow. Allez. Elle est belle. Oh. Yes. Franchement, pas mal. Hein. Thomas. Tu peux pas parler, frère. Regarde la veste que j'ai. Je vais te dire. Moi j'ai pas ma veste, mais je suis lyonnais. Le pauvre. Donc là, le pauvre, il va prendre tarif. Hein. Désolé, il était le seul à pouvoir le sauver, là, Thomas. Je déteste l'OM plus que le Real. Il y a eu une bonne saison en Ligue 1 avec un peu de buts, pas mal de buts. Parce que là, si on est à bon niveau, ça veut dire qu'il a le même niveau et que Coutinho. Et il est en équipe de France parce qu'il est Marseillais et Deschamps est Marseillais, sinon il serait jamais en équipe de France. Bah, j'avoue, par contre, dans tous les cas, on va pas le mettre au même niveau que Giroud ou Coutinho ou Draxler. Jamais de la vie, c'est pas ouf. Désolé, on essaie d'être objectif, mais. C'est pas nous qui avons fait la liste des joueurs. Van Dijk. Ah, top du moment, quoi. Top du moment. Et il ne nous reste plus que Zinedine Zidane. Voilà, il n'y a pas de discussion possible, je pense. Meilleur du monde. Il a tout gagné. Ballon d'or, Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro. Zinedine Zidane. C'est lui qui m'a fait aimer le football. Franchement, oui. Si tu mets Neuer là, tu mets. Si tu mets Neuer. Bon, on a fini cette tier list avec, on va dire, en vainqueur Messi. Même si on l'a mis au même niveau que les autres, c'est quand même quelqu'un. C'est quand même monstrueux, Messi. Ouais. Et en perdant Thauvin. Après Thauvin, on l'a mis en pas ouf, mais forcément quand tu vois tous les autres joueurs, tu peux le mettre que en dessous. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il y avait vraiment un écart entre lui ici, frère. C'est normal que. Et puis il y a vraiment un écart et un fossé entre lui et les autres joueurs. Ouais. Je pense que le mec qui a fait la petite liste, c'était un Marseillais. Mec, on a pas fini. Ah, t'es pas fini. C'est pas fini. Et c'est ma chaise en plus.
Ah, c'est ta chaise. Oui, c'est. Ah, merde. T'as tout faux. T'as tout faux. Mais on essaie d'être objectif, même si nos clubs de cœur parlent, même si nos préférences de joueurs parlent. Voilà. Merci les gars d'être venus. Ouais. C'était un petit classement. On finirait pas sur un crossbar. Oh. Oh. Wow. Oh. 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 Allez, regarde la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. C'était moi, Dylan, Igor, Elio, Emilie derrière la caméra. Et crossbar final. Là, 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 là. Je mets une tête, je mets une tête, je mets une tête, je mets une tête, je mets une tête. Je mets une tête, je mets une tête, je mets une tête. Mec, ça va ?